Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et aujourd'hui nous allons regarder un match de Corée qui a eu lieu vendredi, donc juste après le patch de mi-saison bien sûr, le patch de mi-saison qui voit quand même énormément de modifications. Et pour tous ceux qui ont regardé ici ou ailleurs des matchs d'Overwatch League en 2022 ou en 2023, vous allez reconnaître la plupart des joueurs coréens ici, puisqu'il y a Alphaï, Flora, Finn et Violette que je connaissais, Lip, Isang, Jambin, Korong et Shu. Donc c'est que des joueurs coréens ultra reconnus. Il y a juste Bernard que je connaissais pas. Bernard, très très beau pseudo d'ailleurs, très très beau pseudo. J'aime beaucoup. Et on est parti. C'est FTG contre WAC. Vous le savez, je fais toujours une sélection des games intéressantes et serrées. Donc voilà, voilà. Pour ceux qui se demandent comment se passe la sélection des équipes, la sélection des maps, ici vous avez toutes vos infos, toutes les infos qu'il faut savoir. Donc on va se retrouver sur au début du KOTH avec la tour de Lee Jang, ensuite de l'hybride avec Kingsborough, du push Esperanza, du flashpoint New Junk City et on terminera par de l'escorte Dorado. Voilà, et vous voyez quelles sont les deux équipes qu'on sélectionnait. Mais si vous regardez quand même un petit peu tous les matchs que je vous poste, souvent les Coréens jouent sur les mêmes maps. Hein. Ils se mettent à peu près d'accord sur les maps et on va s'attaquer bien évidemment. Au début, c'est l'avantage de pouvoir faire les rediffs et les casts en différé pour pouvoir aller un petit peu plus vite hein, parce que c'est quand même un stream qui dure 5h10. Sachez qu'on a le droit de caster et c'est assez facile, il suffit de remplir un formulaire que j'ai fait d'ailleurs. Et après, vous allez sur le Discord et vous pouvez demander des clean fields si vous voulez. Clean field, c'est quand vous avez le stream sans le son des casters, ce qui fait que vous pouvez faire votre propre cast par-dessus en ayant le son du jeu, etc. etc. Donc c'est assez cool. Du moment qu'il faut laisser tout devant, il faut laisser les pubs, il faut laisser les machins, il faut laisser les trucs, vous cachez quand il y a les pubs et machin, et en gros vous pouvez caster. Juste bon, 5h10 tous les jours à prendre en compte, on peut pas le faire, sur Liker TV on peut pas se permettre de le faire. Je le fais déjà pas, j'ai arrêté de le faire sur Smite il y a très longtemps, de caster tous les matchs en direct, parce que ça prend un temps et qui est faramineux, alors que quand tu fais juste un match comme ça, par exemple si je devais faire la vidéo de tous les matchs, ça prendrait sans doute 3 heures, alors que le stream dure 5h10, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus court. Moi je préfère toujours regarder plutôt les rediffs, sauf peut-être les gros jours, peut-être que les gros jours on les castera. Si par exemple il y avait des finales et que c'était avec les mêmes droits, voilà pourquoi pas le faire, très clairement. On est parti les petits potes à la compote. Rappelez-vous que nous sommes sur le patch de mid-saison, donc avec l'énorme up de Symmetra, Moga également, et je crois que déjà la méta est en train d'évoluer, elle évoluera avec le temps, hein. ça prend pas 2 jours pour train des compos et jouer autre chose, forcément, même si ce sont des équipes qui sont très très fortes, avec des joueurs qui sont très connus, qui font partie un petit peu de l'élite d'Overwatch League, hein. On voit quasiment là que des joueurs d'Overwatch League dans ce match. Et on regarde un petit peu les deux compositions avec ici l'équipe qui est constituée des FTG avec Alphaï qui nous joue Genji, Flora joue Sojourn, Bernard joue Orisa, Finn joue Kiriko, Violette joue Lucio. Et on a ensuite du côté des WAC, Lip qui va jouer Sojourn, Isang qui va jouer Genji, Jumbin qui va jouer Moga, qui a reçu un up sur le patch avec le piétinement qui fait beaucoup plus mal et le stéroïde qui a été up et qui fait qu'il y a un cycle plus... Alors le sort dure moins longtemps mais le cycle est plus rapide. Le cycle c'est le fait de récupérer le sort et de pouvoir réattaquer. Hein, par exemple le cycle de Winston c'est souvent un saut, je mets mon shield, un saut, j'ai pas de shield, un saut, je mets un shield, un saut, j'ai pas de shield, un saut, je mets un shield, un saut, j'ai pas de shield. C'est un peu ça, c'est un cycle quoi. C'est comme Orisa qui peut faire hélice, fortification, hélice, vous voyez. Korong qui va jouer Lucio et enfin Shu qui va nous jouer une Kiriko. Donc c'est quasiment un full match miroir. Sauf que Orisa, normalement, s'en sort plutôt bien contre Moga. Elle peut être prudente. Elle peut empêcher les crits de Moga avec sa fortification. Donc c'est plutôt correct. Le piétinement, on rush, on a claqué la Suzu. On essaie d'aller chercher. Alphaï qui prend le kill sur Lip. Bon contre ici. La rush qui n'a pas marché. Et on va essayer d'aller prendre le kill sur Kiriko, sur Lucio. Et ouais, le rush de Moga qui n'est pas passé. Et ce sont les FTG qui, en jouant défensif finalement, ont réussi à survivre. Alors c'est de la rush des deux côtés parce qu'on a tout simplement les tank rush. Hein. Orisa, ça va pas très vite, ça saute pas, ça machin, donc c'est un tank rush. Et Moga, pareil, hein, il y va avec son piétinement. Je crois que ça s'appelle comme ça son sort.
Et on essaye. Regardez que les joueurs de Sojourn gardent le 100% pendant assez longtemps jusqu'à trouver le bon shot, le bon angle. S'il peut y avoir un double dégât, on a essayé ici sur Kiriko, ça n'est pas passé, je crois. Hop, on a Finn qui fait son taf là, qui va mettre des dégâts, qui va retourner près de son tank. Ouais, voilà. Normal. Et ensuite, hop, on met la ligne. Donc, Kiriko qui fait son taf, tranquille. Avec un petit peu un 3-2 d'espacer avec le tank qui fait son taf. Et on a Jumbin qui est également parti sur une Orisa et qui a lâché son Moga. Le deflect qui est utilisé par Genji. On a réussi à prendre le kill sur Isang. Derrière, c'est Jumbin qui va sans doute mourir. C'est chaud de faire tomber une Orisa. On voit qu'elle est extrêmement bien tenue. Flora qui sécurise le kill. On peut aller chercher le kill sur la Sojourn parce qu'elle attaque le glissé. C'est fait derrière Ondashin pour essayer de voir. Oh, Alphaï qui a failli se faire punir. D'ailleurs, petit détail qui m'a fait extrêmement rigoler. C'est que oui, il y a le détail ici de savoir que tu t'es fait anti-heal. C'est quand même assez dégueulasse que ça soit juste là, quoi. Ils auraient pu faire que la barre de PV change de couleur. Enfin bref, quelque chose d'un peu... un peu plus visible quand même. Ça me fait quand même sacrément rire, les changements de chez Blizzard. On a l'impression que c'est une équipe de bleus qui font ça à chaque fois. Vous trouvez ça que c'est suffisant, vous? C'est ridicule, il faut vraiment... c'est... ouah, c'est ridicule. C'est ridicule, le fonctionnement du machin. Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Et le pire, c'est que, en fait, maintenant, oui, tu vois quand toi t'es anti-soin, mais tes alliés, ils le voient pas. Ils ont toujours pas rajouté les barres de PV qu'il faut qu'ils rajoutent depuis 6 ans sur le jeu. Qui sont en PVE, mais qui sont pas en PVP, on sait pas pourquoi. C'est drôle, hein. Blizzard, c'est vraiment des petits rigolos. Hein. Attention. Oh, très bon shot sur Isang, c'est bien joué. On va essayer d'aller chercher le duel. La Blade qui a été bien contrée. On essaye de mettre quelques dégâts, le sort pour zoner, on a fait fuir le Genji. Le Genji, oh lolo, il a été très très low, il a survécu. Je sais pas si c'était Genji ou si c'était Sojourn. Derrière l'ultimate d'Orisa, pendant ce temps-là, on a réussi à caper le point, à reprendre le point du côté de FTG d'ailleurs. Et on va ensuite aller tous les tuer. Oui, on va tous les tuer. Le Genji, fin du deflect, c'est fini, on réussit à prendre le kill. Flora qui a pris le kill sur Shu. Mais il... hop, pour le petit kill sur Sojourn qui ne passe pas sur Flora. Dommage. Et on va tout simplement reculer. On est à 97 à 30. Au niveau des ultis, tout a été utilisé. Pardon. Attention, Sojourn. Tout le monde passe dans la ligne ici. Attention, Kiriko. On tacle le glissé. On ne se laisse pas choper par le javelot d'Orisa. On est vraiment bien caché, on met le E pour zoner. Et ça soigne du côté de Finn, ça soigne. L'attaque ici, double ulti Lucio, avec un ulti qui se terminera plus tard du côté des WAC. Légèrement plus tard, c'était quasiment instantané. Derrière, on a encore des charges d'ulti à avoir. On réussit à prendre le kill sur Bernard du côté de Korong. Le Dashin du côté de Isang, le Deflect, c'est bien joué. Est-ce qu'on peut prendre le kill sur Flora, le Javelot? Et le tank qui crée un gros espace ici, on est bientôt à 80% du côté des WAC. Ça va bientôt être le dernier fight de la map. Et on va avoir des ultis, on va regarder un petit peu. On a l'ulti de Finn. Et les ultis des DPS qui arrivent prochainement. Bernard, ça sera vraiment à la toute fin. De l'autre côté, du côté des WAC, on a bientôt 4 ultis également. Donc, gros avantage pour les WAC. Oh, les gros dégâts. Les gros dégâts sur Shu. Mais Shu qui survit. Derrière la Blade de Genji, on réussit à découper. On y est allé très très tôt du côté de Isang, sans doute pour pouvoir profiter de l'ulti avantage. Et c'est bien joué, puisque ça va leur permettre de gagner la game. Ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On était sur côté FTG sur une temporisation. On voulait attendre de récupérer les ultis. Et là, souvent, ce qui est quelque chose qu'il faut s'inspirer, on a l'ulti avantage puisqu'on a gagné le fight d'avant. Et résultat, ils ont été très agressifs. Ils ont tout utilisé avant que les joueurs des FTG aient le temps. Et c'était trop tard. Bien joué. Donc là, c'est vraiment agressif. Et c'est ce qu'il faut faire. Des fois, ça peut être... des fois, quand on contrôle le point... des fois, quand on contrôle le point et qu'on est face à une équipe qui a les mêmes ultis,
et qu'on sait qu'on les a à peu près en même temps, on peut laisser l'autre attaquer. Et toi, tu claques rien et t'essayes de rester sur le point pour caper le plus longtemps. Et ensuite, tu reviens avec tous les outils. Mais là, c'était vraiment l'inverse. Il fallait jouer agressif parce qu'on avait l'avantage au niveau des outils. Ouais, pauvre Issa qui mouline et qui se fait tuer. Et on voit l'espace créé par Orisa, à quel point ça tank comme Jaja. Hein. Les deux Orisa qui ont vraiment créé beaucoup, 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 beaucoup d'espace. Et ben on se retrouve pour la deuxième manche avec ce petit tacle glacé et on repasse par-dessus. Et on n'a tout simplement pas changé les deux compositions. On va rester sur de la Orisa. On passe le sort. Oh Flora, on a réussi à prendre le kill sur Korong. C'est bien joué de la part des FTG. Et on va bloquer, il reste encore 7 secondes avant le cap. On va essayer d'aller chercher cette ligne-là très connue. Il faut faire attention, hein, toujours se préparer avec quelqu'un qui récupère cette ligne. Attention, faut pas tomber l'eau, sinon on peut se faire tuer par Sojourn. Le javelot, la Suzu pour éviter qu'elle se prenne le javelot, c'était pas mal. Les bons dégâts sur le joueur de Orisa. Orisa qui temporise avec un coup d'hélice, on passe derrière. On met des dégâts sur Bernard. On dash out. Alphaï qui est avec une Tracer. Ici, on a préféré partir sur Tracer. Tout, tout, tout. Oh, Violette qui prend le kill. On prend un coup de Sojourn et également des coups de Lucio. On claque l'ulti du côté de Finn. Est-ce que ça va faire la différence? On essaie de temporiser. Faut aller chercher les bons dégâts. On se retourne contre le tank et on finit par l'avoir. Derrière le joueur de Lucio qui tombe. Le joueur également de Genji. Et ce sont les joueurs de l'équipe des FTG qui vont reprendre le point. Ah, ils l'ont quand même perdu à un moment puisque les WAC ont réussi à charger 19% du point. Ils les ont forcés à désengager pour mieux reprendre derrière. On a la longue ligne ici. Oh, il s'est pris une tête et un shot, une tête de chou et un shot de Sojourn. Il s'est fait one shot, enfin two shot. Oh, c'est dur. C'est dur, on va chercher le Lucio qui essaye de temporiser et qui se fait tuer. Bien joué par Isang. Et maintenant, il faut essayer de récupérer le point. Il faut mourir sur le point du côté des joueurs des FTG. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont réussir à aller gratter 61%, peut-être plus, 62%. 63, 64. Et il a forcé carrément la blade de Isang pour être sûr de caper ce point. C'est quand même bien joué. Attention. Isang qui dash. La Cresseur qui revient. On veut essayer d'aller zoner avec Orisa. On fait un petit coup d'hélice. Puis on fait un petit coup de fortification. Puis on décide de reculer derrière. On va décider de passer par l'autre côté. Côté Bernard. Et côté WAC. Non, côté FTG, pardon. C'est WAC contre point. Attention. Attention, Tracer qui a eu peur. Là. Tracer qui a eu peur. Les deux ultis Kiriko qui ont été utilisés. On met un petit coup de javelot. On reste dans l'ulti de Kiriko. On attend le bon moment avant de claquer l'ulti des deux côtés. Le javelot. Kiriko qui a utilisé la Suzu pour essayer de remonter sa Orisa. Et pour le moment, tout va bien pour les WAC qui ont le contrôle du point. Ils sont prudents. Attention, on envoie des petites salves. On essaie d'aller chercher un shot. Oh, lolo. Oh bon kill récupéré sur Alphaï. On y va à côté de Jambin. On met des dégâts. On claque l'ulti de Lucio des deux côtés. Ça se termine à peu près en même temps. Le javelot qui est esquivé par le coup d'hélice. On décide d'aller chercher des bons dégâts. On a pris le kill sur Flora. Tout va bien pour les joueurs des WAC qui vont sans doute s'imposer. Il faut peut-être claquer l'ulti du côté de Isang. La Tracer, le Lucio. La Tracer qui retouche. La Tracer qui est très très low. Donc on va la chercher. Il sait qu'il a quasiment plus de dash. Et on va claquer la Blade pour terminer. Ouf, c'était magnifique ça. De la part de Isang, il a bien suivi le move de Sojourn. Et il a pris le kill. Bien joué, bah les WAC qui mènent donc 1 à 0 dans ce BO5. On se retrouve tout de suite pour la deuxième map.
parti pour la deuxième map de ce BO5 et ça sera King's Row avec les FTG qui vont devoir défendre. On aura comme type de composition une Echo jouée par Alpha Yi, Flora qui va jouer Tracer, Bernard qui va jouer un Sigma, Finn qui va jouer un Zenyatta et enfin Violette un Baptiste. C'est assez rigolo comme composition, c'est un peu un mélange, là on est quand même sur un peu un mélange de Baptiste, Zenyatta, Sigma plus de la POC. Flora, Tracer, c'est plus de la rush ou de la dive. Et Alpha Yi, c'est un peu... Pas Echo, c'est plaçable dans à peu près tout, je trouve. Mais je pense que c'est plus de la rush dive que de la POC. Et donc, on est parti, les petits potes, à la compote. Hop, on va mettre les bons dégâts côté Echo. Et on repart. On a l'orbe de Zenyatta. Ça va tenir. L'immortality field qui a été claqué. C'était chaud. On a claqué déjà un gros CD, mais on reprend le top côté Alpha Yi et on laisse un petit peu capé. Il semble qu'il a pris le kill sur Flora. On est déjà sur un très bon fight de la part des WAC. On est en supériorité numérique. Le Zenyatta qui spam. Il va se remettre sur le point. On va pouvoir essayer d'aller caper les deux tiers. Sigma qui zone. On réussit à prendre un kill sur Bernard. Ouais, c'est déjà quasiment condamné. Ça va être difficile d'aller retoucher. Est-ce qu'ils vont y aller ou est-ce qu'ils vont préférer assurer une bonne défense? Ils vont préférer assurer une bonne défense. Oh là là, Violette qui se fait dès les kills derrière. S'ils sont complètement désorganisés, les joueurs des FTG. Et là, il ne faut pas se faire stagger. Il ne faut pas perdre deux joueurs en plus. Non, c'est bon, ça survira. Côté de Alpha Yi et Flora, on n'aura pas de mort. Lip qui essaye de mettre quelques dégâts, qui temporise pendant que son équipe avance. La salve qui tire. Oh, ça stocke sur Zenyatta. Il a sans doute pas son ulti déjà. C'était pas possible. Et un bon kill récupéré sur Finn. Aïe, 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 aïe. Pour le moment, rien ne va pour les joueurs des FTG. Ils se font ultra dominer sur ce début de King's Row. Et Flora qui, lui, qui a 67% de son ulti Tracer. Donc, il est très, très loin de l'avoir. Et on va en pouvoir profiter encore sans doute des ultis avantages. Oh, encore un kill récupéré ici, Korong sur Alpha Yi. Et il tombe un petit peu comme des dominos. Ils sont rarement à 5 les joueurs des FTG. Le zoning de l'ulti de Baptiste qui force le fait de désengager. C'est pas grave, on attend une dizaine de secondes et ensuite on repart. Shou qui a l'ultimate d'Anna. Qui sait qu'on va décider de Nano. Est-ce que ça va être le Sigma? Est-ce que ça va être la Tracer? Attention, la Pulsar qui est ratée, malheureusement. Mais Alpha Yi qui a pris le kill sur Korong. C'est compliqué. Allez, on a décidé de reculer. On réattaque. Quand c'est qu'on va décider d'utiliser l'ulti du côté de Echo, on va voir. Hop, 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 on prend le soin. Tracer qui est au top. En ayant passé par le balcon. Attention, l'ulti Echo. Echo qui va mettre son combo. Forcer shield de Sigma. Elle veut forcer l'immortality. Non, elle se transforme en Baptiste. Elle pose l'ulti de Baptiste en bas. Derrière Zenyatta qui était là. Echo qui se retransforme. Echo qui s'était transformé en Tracer de l'autre côté. Les dégâts. L'ulti Zenyatta. L'ulti Zenyatta de Korong qui va peut-être faire la différence. Et non, ça ne suffira pas. On réussit à dessouder tout le monde. Et à aller chercher une belle def du côté des FTG. Ça fait du bien parce que si ça avait été un fight inversé, ils auraient eu plus de 4 minutes pour aller chercher le dernier point. Là, c'est bien. Ça va chercher une bonne def. On a en plus pu garder l'ulti de Sigma et de Baptiste. Donc, on a un ulti avantage côté de l'équipe qui défend. Ah, c'est très difficile de placer les grenades ici sur une écho. On n'a pas changé hein, la composition des deux côtés. On est resté sur Tracer et Echo et les deux Sigma. La Pulsar qui stock, ça prend le kill sur Korong. Très bien joué. Très très gros réflexe ici. Et Korong qui peut rien faire puisqu'il n'a pas sa transcendance malheureusement.
Le nombre de dash utilisé, il a l'avantage. Flora est réussi à le prendre avec Violette qui l'aide. Et le kill est récupéré sur Leap. Encore une belle défense de la part des FTG. On essaye d'aller tuer le Sigma, mais c'est quand même compliqué. Allez, Alphaï. Et ils vont essayer de se regrouper. Les WAC, ils n'ont pas encore non plus une demi-heure. Hein. 1 minute 43. Ça défend bien. Ça descend vite. Cassidy pour essayer de contrer cet écho. Cassidy qui contre à la fois écho grâce à son arme. Mais, et aussi qui contre un peu Tracer. Parce qu'il arrive à balancer la grenade sur Tracer. Elle est un peu dans la merde. Et deux kills récupérés pour les joueurs des FTG qui sont en train de montrer qu'ils n'ont pas envie de lâcher ce BO. Les grenades qui sont utilisées, le kill qui est récupéré, deux kills pour Flora. Et on bloque les adversaires, il ne reste plus qu'une minute. On est au top du côté de Flora, on se cache pour pouvoir essayer d'aller placer une pulsar. On se doit se douter que Korong a cette fois-ci la transcendance. Donc il faudrait essayer de forcer la transcendance, il faut essayer de forcer l'immortality field. C'est difficile hein, de rendre une pulsar de Tracer rentable dans ce genre de game. Parce que il y a quand même beaucoup de contre. Flora qui recule. Qui va aller au top. Tracer qui est pas loin. Elle a forcé son retour arrière. Elle a forcé énormément de dash. Oh là là, Sigma. On décide de jouer safe. Ils font complètement le tour. Ils ont les bonnes pauses. Regardez, ils sont au top. Les grenades qui sont plutôt bonnes. Mais il y a eu vraiment un très bon soin. Ils essayent de forcer la ressource, hein, l'Immortality Field et l'Ulti Zenyatta. L'Ulti de Sigma qui a été claqué. L'Ulti Zenyatta d'un côté, l'Ulti Zenyatta de l'autre. Les pulsars sont donc prêtes. Est-ce qu'on va avoir une pulsar du côté de Alphaï transformée en Tracer? Ça. Bah oui, ça prend un kill sur Isang. Derrière, Flora a pris le kill sur l'Immortality Field, pas de bol, avec sa pulsar à lui. Derrière les gros dégâts. Et Ko et Alphaï qui contre complètement Leap. Et bah les gars, vous pouvez me dire, c'est vrai, quelque chose qui est intéressant, c'est que oui, Echo et counter par Cassidy, mais là vous voyez qu'elle a réussi à tenir hein, cette fameuse logique de counter dans Overwatch qui est importante mais qui n'est pas toujours le cas 100% efficient, même si c'est clair que hier j'ai fait des games et j'ai joué Winston, j'ai pulvérisé le mec, puis après il a pris Diva, il m'a pulvérisé, j'ai pris un autre truc et je l'ai pulvérisé de nouveau. Donc il y a quand même, ça reste quand même Counterwatch hein, parfois le jeu. Mais pas toujours. Pas toujours. Hein, on le voit là. Cassidy n'a pas pu réussir à débloquer la situation et aller chercher le joueur d'écho. Donc on est parti. Nouvelle manche. C'est au tour des WAC de défendre. C'est au tour des FTG d'aller chercher l'attaque. Ils doivent aller loin quand même. Ils doivent caper le premier point, etc. Mais souvent en Corée, c'est capé hein, ce petit point. Donc on va voir. Les WAC ne changent absolument pas leur composition. C'est la même. Lipre sur Tracer, Isang sur Echo, Max sur Sigma, Korong sur Zenyatta et Shu sur Bapti. Donc ils avaient changé leur tank. De l'autre côté, on est sur le Hanzo. Alors Hanzo, c'est bien évidemment pour prendre une flèche de vision. Par contre, Finn sur Hillary, c'est intéressant. Elle a quand même été up. Rappelez-vous, le temps entre chaque shot, quand il est peu chargé, a vraiment été réduit. Et le shot chargé, bon, c'est 0,05 secondes de gagné, je crois. Donc c'est pas non plus incroyable, mais bon, pourquoi pas. Ah non, le Hanzo, il est gardé, les petits potes à la compote. Il est gardé, c'est pas juste un shot à la sortie. On décide de le jouer. On va voir comment ça se passe. Et on a Isang. Violette qui prend le kill sur Leap, c'est bien joué. Et c'est déjà bien parti pour l'FTG. On zone complètement. Max. Pardon, excusez-moi. On met quelques dégâts, ils sont au top. Ils ont déjà capé un tiers. Quelques petits dégâts, forcément. Max va contester à un moment où il espère que les deux joueurs vont pouvoir revenir. Korong a pris le kill sur Violette. Et c'est un petit retournement de situation ici. On va essayer d'aller chercher Bernard. Bernard qui tombe.
Alphaï qui réussit à Tulip, mais ça reste un fight gagné pour les joueurs des WAC. Après, il faut rappeler que le spawn est beaucoup plus près d'un côté que de l'autre. Donc, quand c'est le 1 pour 1, ici, c'est clairement un avantage pour l'attaque. Prendre une flèche de vision. Oh, Tracer, on a eu peur. La salve ici au cas où le joueur revient. Tracer. Tracer qui a quand même un peu peur de Hanzo, hein, puisque c'est une des rares qui peut encore se faire one shot. Attention, le POC. On laisse Bernard sur le Puntos. Oh, ça y est, c'est fait. Lip qui retombe. Flora qui s'en sort très bien avec son Hanzo. La matrice qui a été forcée. On va faire tomber Echo très très vite. Elle essaye de temporiser. Elle met son shield. C'est là qu'on voit à quel point Echo transformé en Sigma, c'est un véritable enfer. Ça temporise tellement. Mais on réussit à prendre 3 kills. Les joueurs des FTG qui ont fait la différence. Il faut réussir à tuer Max. C'est fait. Derrière les grenades. Il reste Lip sur le Puntos. C'est chaud. Il y a eu un gros fight. Il tient bien le Baptiste et tant mieux. Lip, Violette. Violette qui tient un bon et qui réussit avec Bernard à caper le point. Et ça y est, ils n'ont 3 minutes 55. Ils ont mis un petit peu plus de temps que les WAC à récupérer le point. Les joueurs des FTG. Mais il y a sans doute moyen de faire quelque chose dans cette game pour eux. Allez, on pose le shield, on l'enlève instant pour ne pas perdre la totalité du shield. On le repose, puis on l'enlève avant qu'il ait perdu une bonne partie de ses points de vie. Allez, au niveau des ultis, on a celui de Hanzo. Alors, on n'a pas vraiment énormément de combos pour l'ulti Hanzo. On n'a pas Zarya, quoi, donc ça va être compliqué. Ça va servir d'outil de zoning pour couper l'équipe en deux, souvent. L'équipe adverse en deux. L'ultimate de Sigma dans le back, derrière, Korong. Korong qui a pris le kill sur Violette. C'est bien joué. Alphaï qui fait tomber l'Immortality Field. Flora qui prend le kill sur Lip. Oh, Lip qui a du mal. Hein. Lip qui a beaucoup de mal. En même temps, vous me direz, jouer une Tracer avec un tank comme Sigma, un tank de POC, c'est un peu bizarre. Et oui, il se retrouve un peu tout seul, le joueur de Tracer, et donc il implose. Assez souvent, Flora qui prend le kill sur Coron, Flora qui est chaud avec son Hanzo et qui montre que Hanzo, bah, il s'en sort là. Comme quoi, hein, c'est peut-être plus le joueur que le pick, souvent, dans Overwatch. Alphaï qui revient et ils sont en train de faire complètement la différence. Ils sont un peu désorganisés du côté des WAC. On a l'ultimate qui a été claqué. On refait tomber la Echo. Isang qui est low life. Shook essaye de temporiser face au Sigma. C'est chaud. Le retour de l'autre Sigma. On réussit à prendre le kill. Double kill. Les WAC qui arrivent à temporiser. C'est complètement fou. Oui, on réussit à prendre le kill sur Isang. Mais ça sera pas suffisant, ça va être dur pour la survie, on arrive à utiliser le vol et on va les laisser reculer. Non, on prend un très bon kill sur Violette, bien joué de la part de Lip qui se venge ici. Il recall. Le rayon, il y avait Alphaï qui était en train de push mais il est mort et il reste plus qu'une minute 38. Une minute 38, il faut tenir du côté des FTG. Il faut essayer d'aller chercher la victoire. Les WAC qui tiennent bon sur le point. On a Finn qui a son ulti. Korong qui a son ulti. Donc il va falloir forcer les transcendances. Allez, on va charger les ultis. Le shield qui est utilisé puis enlevé. Ouais, ils sont vraiment très prudents sur le shield. Ils prennent vraiment très très peu de dégâts les Sigma sur le shield. En fait, ils pensent que vu qu'ils sont full life, prendre des dégâts c'est sur le shield, c'est un peu con. Donc ils l'utilisent très très peu. Oh, les bons dégâts de Violette. On prend la hauteur, on bombarde le Sigma qui est obligé d'absorber. La matrice, il met son shield. Oh là là, les gros dégâts. Le pchit pour pouvoir temporiser, c'est bien fait. Superbe Immortality Field, même si ça force l'immortal. Et la transcendance,
Il faut aller chercher les bons dégâts. Transcendance de l'autre côté, du côté de Korong. C'est compliqué, il va mourir instantanément à la fin. La matrice échoue qui ne pourra pas empêcher les FTG de gagner cette deuxième map et revenir à un partout dans ce BO5. On se retrouve tout de suite pour la troisième map. Troisième map de ce BO5. Et ça sera Esperanza, la map push du Portugal. C'est tout le temps quasiment celle-là qui est choisie. Hein. On voit tout le temps celle-ci. En même temps, c'est la map la plus compétitive, je dirais. En tout cas, elle est très intéressante. Elles sont toutes compétitives, hein, mais je trouve que c'est celle-ci que les joueurs pro aiment beaucoup. Et on est parti, on va appuyer sur pause et on va regarder un petit peu les deux compositions. Donc, retour de la rush avec de la Orisa. Cassidy d'un côté, Sojour de l'autre, Tracer, Lucio Baptiste et de l'autre, Lucio Kiriko. Donc des petites variantes de composition rush. Ici, on peut très clairement jouer de la dive. Hein. On peut très clairement sortir un Winston aussi, c'est très bien. Voilà. Mais on a préféré partir sur cette compo-là. On voit que les joueurs des WAC sont plutôt dans le fight à droite, alors que les joueurs des FTG sont plutôt dans le fait de garder le rempart. Et même à gauche. Allez, on essaye de zoner un petit peu les adversaires avec le E de Sojourn. Et là, on joue un petit peu au chat et à souris. On charge les ults sans se mettre vraiment en danger. Avec, vous voyez, un cover à peine 1 ou 2 mètres de même. Essayer de mettre quelques dégâts sur le Lucio. En grattant un petit peu, on gratte. Oh là là, Alphaï qui a eu peur. Il va chercher les dégâts sur le joueur de Lucio. On va se retourner contre lui. C'était chaud. Allez, pour le moment, oh, le Cassidy qui n'était pas très très frais là. C'était chaud. On a déjà les ultis de Kiriko. Et on a les pulsars qui sont là. Alphaï qui a pris le kill sur Isang. Il a utilisé la Suzu. Est-ce qu'on va avoir envie de faire plus côté FTG? Non. Allez, ils prennent le contrôle et ils reprennent l'avantage. Sojourn qui veut directement zoner pour ceux qui veulent monter au balcon. Bon, oh, le javelot sur Finn. Allez, on soigne tout le monde. Chou, est-ce qu'il va nous claquer un ulti dans ce couloir-là? On va essayer d'avoir jusqu'à la fin du virage. A priori non, pas pour le moment. On a claqué la porte du côté de Bapt. Oh, les bons dégâts. Ils sont en train de push. Ils se commit hein, pour essayer d'aller chercher. L'immortality qui a été géré. On a réussi à gérer la bombe de Isang. Il reste celle d'Alphaï. On a l'avantage de la hauteur du côté des WAC. Et double kill. Alphaï, quel pulsar exceptionnel. Et ça a complètement fait la différence. Les joueurs des FTG qui gagnent le fight alors qu'ils n'avaient pas la hauteur en niveau en avantage. Et ils vont pouvoir aller chercher quasiment le Punto. Son remonte au top côté Finn, bien sûr. Et on va décider de respecter parce qu'on les attaque pas par le balcon. On les attaque par la ligne ici. Parce qu'il y a un balcon en face, hein, on peut parfois se mettre en face. Ils ont la hauteur. Cassidy, ils savent qu'ils peuvent pas trop se commit parce que Cassidy a son ulti, bien sûr. Donc compliqué. Oh, le commit ici, la grenade qui est lancée. On a repris le contrôle du payload, mais on n'avancera pas les bons dégâts sur la Sojourn qui a été obligée d'utiliser son sac glissé. Lip qui est toujours vivant. Oh là, on n'a pas du tout la hauteur. C'est très difficile, c'est très inconfortable comme position de la part de Lip. On essaye de push, pareil, c'est compliqué. On reste caché à l'intérieur ici. On essaye de bloquer du côté d'Orisa. Sojourn, les WAC vont gagner ce fight sans doute. On a claqué quand même beaucoup d'ulti et on a réussi. Oui, c'est le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice du côté FTG. Ils se sont tous retournés et ils sont allés sur le point pour assurer la fin du push. Bien joué la reprise du robot. Et derrière, on va sans doute mourir du côté de Flora. Mais c'est pas grave. Ils ont réussi à marquer le premier point. Et ça, c'était propre. Et regardez le temps qu'ils font. Le temps de temporisation qu'ils ont. Alphaï qui survivra. Violette qui a pris le kill sur Isang. C'est même pas sûr. Ils ont repris le robot. Les joueurs des WAC qui font. Ils la font à l'envers là. On revient de l'autre côté. On reprend le contrôle du balcon.
Bonne phase hein, pour les FTG. Maintenant, on va voir s'ils vont être capables d'empêcher les Wakdata d'avancer. En tout cas, c'est fait. Ils ont repris voilà, le mid. Et alors là, maintenant, vous allez dire, mais maintenant, les FTG, il faut qu'ils rejouent agressif. Non. Maintenant, ils y mènent. Hein, ils mènent de beaucoup. Maintenant, ils peuvent essayer de faire la serrure. On va voir s'ils vont essayer de faire la serrure. Ça recule. Ça claque l'ulti de Kiriko. On va devoir désengager cette ulti. Attention, ils sont encore un petit peu dedans. Vous voyez, ils peuvent profiter de l'ulti Kiriko. Il faut carrément se mettre dans une ligne où en fait, ils ne peuvent plus en profiter. Le dash, le deflect. Et le dash encore. Et ça tombe. Il n'aura pas fait grand-chose. Il sang avec cette ulti. Les FTG font un fight magistral. Et vont réussir à le gagner. Bien joué. Et ils reprennent le contrôle du robot. Donc là, ils vont essayer bien évidemment d'aller plus loin. Mais avant ça, ils étaient en mode serrure. Ils étaient en mode c'est à eux d'attaquer. Nous, on mène. Et ça, c'est vraiment une façon de jouer très intéressante en push. Qu'on voit pas vraiment qu'on voyait pas vraiment avant dans Overwatch. Peut-être un peu en KOTH quand même. Forcément, on voit pas ça en hybride et en escorte. Hein. Il y a vraiment eu cette notion d'attaque et de... Ouh, la Sojourn qui était très très low. Coup d'hélice pour essayer un petit peu de temporiser. Pour créer de l'espace. On a Alphaï. Alphaï qui a encore une nouvelle fois qu'attend sans doute la Suzu de Kiriko. Oh, la Sojourn qui tacle le glissé, qui a quasiment plus de vie. Mais on a préféré ne pas se commit. Oh, la punition Alphaï. Aïe, 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 aïe. Derrière, ça va sans doute... être la mort d'Orisa, ça va être dur de survivre là-dessus. Elle est encore vivante, là, Orisa, c'est incroyable. Un poil de cul, par contre, on a été forcé d'utiliser l'immortality field. On joue safe du côté de Isang. Ouais, il faut pas se donner, il faut pas se donner. On attaque l'ultimate d'Orisa qui a été claqué. J'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé, il a bien été claqué. Il reste celui de Bernard, mais pas celui de Jambin. Bernard qui a pris le kill sur Jambin. D'ailleurs, la porte qui a été mise par Finn. Ouh, l'ultimate de Bernard. On prend le kill sur Leap. Et les joueurs des FTG qui ne lâchent rien. Qui ne lâchent pas, même pas quelques mètres à chaque fois. Et qui vont essayer d'aller reprendre leur push. Ils vont pouvoir, en théorie... Oh, pop, 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 pop. Jambin qui en a ras le cul. Et qui sort les deux Gatlin. Avec Moga, c'est parti. Bon, Kiki. C'est marrant, tout à l'heure, il a swap. Il avait Moga, il a décidé de swap. Et là, cette fois-ci, il le ressort. La tentative de rush de Moga dans l'ulti Kiriko. Ça va faire très, très mal. Mais il y a eu un très, très bon ulti Lucio pour temporiser le tacle glissé. On arrive à désengager. C'est bien joué. Et FTG qui joue safe. Qui désengage complètement cette action. Je vais y arriver, 1, 2, 3. La Suzuki a été utilisée, le top. On met des bons dégâts, on arrive à prendre le contrôle, on va réussir à repush un petit peu. Ils regènent full life les joueurs des FTG avant de réattaquer. Le tacle glissé, on recule. Superbe javelot. Et regardez, là c'est à WAC hein, d'être agressif. FTG, eux, ils s'en foutent. Ils gagnent du temps. L'ulti de Cassidy, la grenade, l'engage, l'ulti de Cassidy qui est instantanément mis. Alors pourquoi? Parce qu'on a 40% de damage réduction quand même quand on ulti avec Cassidy. Donc on se fait tuer quand même assez difficilement par un Genji qui est pas nano. Hein. Et c'est un fight qui passe pour les WAC. Et enfin, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes au WAC pour essayer de rattraper tout ça. Moga qui est de sortie. Moga qui est à 75% de charge d'ultimate. Koron qui essaye de zoner. De rejoindre son... De faire revenir ce coéquipier plutôt. Et on est au top. On a qui en bas? Principalement le Genji. Le Moga également qui essaye de fuir. Qui vient d'utiliser son piétinement. Est-ce qu'on voit pas le counter? L'ultimate de Lucio qui permet de gérer les dégâts. C'est dur pour Bernard. Du côté de Jambin, on va dans le bac. On essaye de mettre des dégâts sur Lucio. Lucio qui fond derrière Moga. Moga qui va aller mettre de gros dégâts ici. Pour essayer d'aller stagger. Et oui, c'est fait. On essaye d'aller chercher la Sojourn. Faut pas aller trop loin du côté de Jambin. Mais on réussit à survivre. Tout va bien. On va pouvoir utiliser le prochain piétinement pour se barrer. Et regardez, ils sont en train de revenir. Les WAC, ils ne sont plus qu'à une quinzaine de mètres d'écart entre les deux équipes. Et le Moga qui paye. Et Jambin surtout, il a son ulti.
Il a son ulti, donc il peut être très dangereux, Moga. Comment va-t-il décider d'utiliser cet ulti? Le javelot qui est utilisé, on rush. On se fait un petit peu bloquer par les hélices d'Orisa. On claque l'ulti, ça y est, c'est fait pour enfermer le Lucio dedans. On réussit à prendre Aquilé en plus, on sépare un petit peu. On a chopé la Kiriko et ça est l'ulti de Moga qui va complètement faire la différence. La Pulsar qui est esquivée, c'était la dernière tentative pour Alphaï pour essayer de sauver son équipe qui à 22 secondes de la fin va se faire rattraper. Les WAC qui sont très 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 bien dans cette game maintenant. Il ne reste plus que 12 secondes. Et le swap Moga qui a fait complètement la différence. Attention. Le E qui est utilisé. Et là, c'est maintenant de nouveau à eux de jouer un peu défensif. Il faut qu'ils défendent ici la Blade pour essayer d'aller chercher cette victoire. Il sent qu'il prend un très bon kill. Derrière, qui se retourne contre Lucio qui est découpé en rondelles. La Tracer qui est obligée de recall, qui est en grande difficulté. On va pouvoir aller la chercher. Et c'est finito pipo. Les WAC gagnent cette troisième map. Oh, c'était chaud. C'était chaud parce qu'ils ont été dominés quasiment tout du long. Et finalement, le swap Moga a payé hein, et a fait un peu la différence. Ça permet d'ajouter énormément de dégâts. Et bah, Moga qui paye ici. On se retrouve tout de suite pour la quatrième map de ce BO5. Quatrième map. Et regardez, ça y est, Moga des deux côtés, accompagné de Kenji et Sojourn. Korong toujours sur son Lucian, échoue sur sa Kiriko et c'est tout simplement un match miroir. Finn sur Kiriko, Violette sur Lucio, Bellosrea qui nous joue un Moga, Flora une Sojourn et Alphaï un Genji, les petits potes à la compote. Forcément une map où la rush est excellente et donc on se retrouve à avoir Moga contre Moga, donc ça va se tataner sec. Et pour le moment, pas d'agression. On reste plutôt sur la longue distance, essayer de faire du POC. Moga qui joue plutôt généralement à une arme, même si ça a quand même été quand même pas mal retravaillé hein, depuis la première fois qu'on a vu Moga. Claque le sort. Temporisation. Jumbin qui est obligé de reculer. Et on essaye de mettre du POC. On force les joueurs. On a forcé Alphaï à être sur le point, puisque le cap est principalement pour les bleus avec une contestation. Le deflect est utilisé, le shot sur Finn. Attention, le rush, les deux ultis Lucio qui ont été claqués. Est-ce qu'on va réussir à qui va gagner ce fight? Les deux Moga qui continuent de tirer, l'ultimate de, les deux ultimates de Kiriko qui ont été claqués également, le deflect de Isang. Pour essayer de mettre de la pression et empêcher le Moga de faire très très mal. Très très low, mais les deux tombent en même temps. Alphaï est libre d'un côté. Alphaï d'un côté est libre de l'autre. Derrière, oh la Kiriko KTP, mais qui va se faire finir derrière par la Blade de Isang. Isang qui fait le café. On a tout claqué pour essayer de prendre le Punto. C'est d'assurer le Punto. Et vous voyez que malheureusement, on a fait la petite erreur que j'aime pas du tout voir en Flashpoint. C'est de laisser l'adversaire caper. Parce que si tu laisses l'adversaire caper et que tu perds le premier pain, vous voyez, ils l'ont perdu. Ils étaient déjà 50. Donc ça veut dire qu'ils perdent un autre fight et c'est fini. Alphaï a sa Blade. Alphaï a sa Blade. Mais pourra-t-il en faire quelque chose? Il y a Lip qui peut contrer. Le Deflect. Ça contre un nombre de balles incroyable. Les gros dégâts sur le Genji. Genji, on essaye de le découper. C'est chaud. Ça y est. Il s'est fait couper en deux Isang. Les bons dégâts. Lip qui a claqué son ulti en même temps pour essayer de répondre. Ça a permis de prendre le Genji d'un côté, la Sojourn de l'autre. Le duel entre Sojourn et Genji, c'est très important de gagner ici. Il a Dashin, le Genji, et il prend le kill sur Lip derrière Alphaï, qui prend le kill sur Kong et qui va permettre à son équipe de se sauver, même si le point a déjà été récupéré. On va mourir sur le point du côté de Jumbin. Et les petits potes à la compote, 99 à quasiment 50%. Vous l'aurez compris, les joueurs DFTG n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent garder ce point pendant encore une trentaine de secondes pour gagner le premier point de cette map Flashpoint.
On attaque par le bas, on va mettre l'Utikiriko, non pas pour le moment, on l'économise, on se fait zoner par le sort de Sojourn. Attention, c'est chaud Genji, tu te montres, tu te mets pas en vision. L'ulti qui a été claqué de la part de Chou, on tient le tank. L'ultimate mis de l'autre côté par Finn. Le dash de Genji encore. Attention, Dashin, on retourne après les coéquipiers. On a l'ulti de, des deux Mogas et c'est Kiki Guy, c'est du 2 pour 2, 3 pour 2 en faveur des WAC. Aïe, 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 aïe. Et ça va complètement faire la différence, même si Alphayi a découpé en rondée deux personnes. Il est dégoûté. Il est dégoûté, ça ne passera pas. Les joueurs de WAC qui capent le point. Ah, il y a le Lucio. Le Lucio face à Genji. Ah, c'est pas facile pour Lucio. Et Isang qui taunt un petit peu et qui réussit à faire gagner les Wax. Premier point extrêmement serré. Belosrea qui était parti sur Doom et qui va rechanger et repartir sur un Moga. Doom sans doute pour revenir très rapidement. Hein. C'est l'un des temps qui permet de. Bon, c'est le temps qui permet de revenir le plus vite en général. Et on a l'avantage du. Point du côté des WAC, ce qui est dommage, c'est qu'on est arrivé les premiers du côté WAC. Les gros dégâts, les deux Mogas qui se tapent dessus. Boum, Jumping qui descend et qui va ensuite essayer de remonter pour rejoindre son équipe. Petite victoire sur le fight de la part des FTG. Est-ce qu'on peut aller sécuriser un kill sur le Lucio? Lucio un peu esselé mais qui arrive à rejoindre ses coéquipiers. On est en train de caper. Oh, les bons dégâts sur Belosrea et ça fait la différence. Les joueurs des WAC ne veulent pas une cinquième map. Ça se sent. Il sent qu'il prend triple kill. Le deflect, on va zoner l'arrivée de Jumbin pour essayer d'aller stagger un joueur Kiriko qui TP. Dans ces cas-là, c'est bien, c'est de faire semblant avec Kiriko de rester pour laisser l'autre joueur fuir pour pouvoir se téléporter dessus. Stratégie qui a marché ici. Allez, Belosrea, le dash. Et on a le contrôle du point du côté des WAC. On est à 35%. Allez, on joue safe. C'est pas vraiment au bleu de se mettre, de se commit et de mourir. C'est au rouge d'agresser. Toujours la même logique ici. C'est les bleus contre points pour le moment. Le rush agressif de la part de Jumbin. Est-ce que ça va payer avec Isang et, l'ultimate de Lucio? On est bien géré là par Lucio. Et ça a fait la différence. On a réussi à prendre le kill sur Isang. Par contre, de l'autre côté, Lip a pris le kill. Les deux Genji sont tombés. Est-ce qu'on peut y aller? Ça charge très très vite du côté de Sojourn parce qu'elle est sous ulti. Jumbin qui est très très low mais faut se oser essayer d'aller à l'intérieur pour le tuer. Et les joueurs des WAC font la différence. On va copier le point du côté de Belosrea. Mais derrière on va mourir je suppose. Il est dur à tuer ce joueur de Moga mais c'est fait. De l'autre côté c'est Alphayi qui meurt. On va reprendre le contrôle du point et mener 2 à 0 du côté des WAC. Quel dommage hein, cette perte du premier point. Finn qui a décidé de partir sur une Moira. Pourquoi Moira quand il y a des Mogas? Pour pouvoir, quand il y a l'ulti, tout simplement, il faut essayer de synchroniser votre ulti Moira avec l'ulti de votre... Enfin, du Moga adverse plutôt, parce que vous, de toute façon, vous voyez, il passe à travers vos propres boucliers. Mais c'est très intéressant. Attention, l'ultimate qui est claqué ici du côté de Belosrea. Le dashin de Genji parce qu'il crée de l'espace. Il dit Belosrea, mais est-ce que ça sera suffisant? Jumbin a complètement contré Alphayi qui récupère 2 kills. C'était un petit peu tardif, il prend 3 kills. Est-ce que ça va faire la différence? Il faut tuer le Genji. C'est fou, ouais, c'est fait. Alphayi quadra kill. Et Alphayi peut-être pinta là-dessus s'il arrive à tuer le joueur. Eh non, c'est Violette qui l'a récupéré. Mais bien joué de la part de FTG. Là, on a vu tout le sens du sacrifice hein, du tank qui va ulti toute une équipe et qui derrière m'a dit « Bah les gars, vous faites rien !» Et en fait, tu meurs et là, tu vois toute ton équipe qui tue. Tu fais « Oh, ok, j'accepte. J'accepte d'avoir été au charbon. » Allez, 25%. Qu'est-ce que c'est rapide. Qu'est-ce que c'est rapide, le cap en flashpoint. Les deux... Voilà là, l'ulti Lucio qui a été claqué. On met peut-être un petit peu trop sur le Moga. On réussit à prendre un bon kill du côté de Issa. Flora a pris le kill sur Lipcor. On prend le kill sur Belosrea. On poursuit un petit peu
Le joueur, il va falloir rester sur le point du côté des FTG pour essayer de gratter le plus de pourcentage possible. C'est fait. On va mourir du côté de Alphaï. Et on tient bon côté de Finn. C'est très bien joué. Ça leur permet d'aller chercher les 75%. Donc globalement, quasiment un fight gagné pour FTG. Et ils reviennent à 1-2. Allez, on est allé chercher tout le monde du côté de Korong. Et on prend la partie droite. En fait, les gens défendent plus sur la partie haute que la partie près du point. En général, voilà, ils défendent ici. Parce qu'ils ont quand même une bonne vision et puis ils sont pas très loin du point. Allez, la Blade pour Isang. Beaucoup d'outils du côté des Wak. Énormément d'outils avantage. Flora qui récupère son outil avec... Oh, on claque l'outil de Moga. L'outil de Moira pour essayer d'un petit peu contrer du côté de Finn. C'est peut-être bien joué. Non, ça ne suffit pas. Isang qui découpe tout le monde et qui a découpé Finn. Aïe, 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 aïe. On aurait pu croire que cet outil Moira pouvait aider. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour contrer cet outil Moga. Quel dommage. Et on est maintenant à 80% pour les WAC. Allez, au niveau des ultis, on n'a plus rien du côté de FTG. On a bientôt la Blade. On a la Blade contre l'ulti de Leap. Ulti Sojourn, ulti Genji. Ça va devoir envoyer. On est à 99%. Junbin qui a été obligé de partir sur un Doom. Leap qui essaye d'aller chercher les shots. C'est chaud, on est en overtime. Le Lucio qui s'en sort. On a réussi à bump le Doom. Très bon kill de la part de Violette. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des FTG. Qui vont recaper ce point. Et rester peut-être vivant dans ce match. 80%. Il va falloir côté de Junbin. Il reste sur Doom bien évidemment. Le pauvre, il s'est fait bump par le Lucio. Le plaisir. Oh bon, ça, Lucio, il mourra pas. Bellosrea qui prend le kill sur Korong. C'est bien joué de la part des FTG qui vont marquer leur point sur cette quatrième map. C'est bien joué. Allez, on va sur l'autre map sur le point. Et cette fois-ci, le point est sur la hauteur. Allez, on est parti. Oh, c'est chaud. Allez, au niveau des ultis, on a Bellosrea qui peut y aller avec son Moga. Pour le moment, on est bien positionné côté FTG. On joue safe. Bellosrea qui attend sans doute le bon moment pour décider d'y aller. On décide... Oh, d'y aller piétinement. Ultimate des deux côtés, je suppose. Non, c'est Bellosrea qui a claqué son ulti. Jomi ne peut pas l'avoir. Et Leap qui prend le kill sur Bellosrea. Ce n'est pas du tout passé, cette attaque avec Moga. Et ça va même se retourner contre eux. Alphaï qui va garder son ulti. Qui va aller mourir sur le point, bien sûr, pour empêcher le cap le plus tard pour les WAC. On a beaucoup d'ulti. C'est dommage, on n'a pas réussi à synchroniser l'ulti Moira, l'ulti Moga. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est un peu... Après, je pense que l'ulti Moira, ils veulent garder Finn pour l'ulti de Junbin. Et vu qu'il est à 71%, il doit se douter à peu près qu'il doit bientôt l'avoir. Bon, je pense qu'il devrait le garder normalement. Un petit deflect pour Alphaï, une charge de Bellosrea. Ah non, on a claqué l'ulti Moira maintenant. Claque l'ulti Moira maintenant. Isang qui prend le kill sur Violette. Alphaï qui a pris un très bon kill. 2 kills pour Alphaï, extrêmement solide. Hein, les Genji dans cette game. 3 kills pour Alphaï, encore phénoménal avec son Genji. Et on va tuer Junbin. 62%. Qu'est-ce que ça va vite le cap. On n'a pas l'impression que la perte, tu sais, quand ils sont tous morts et qu'il y a eu l'ulti de Bellosrea, c'était il y a une heure. Mais il y a quand même 62% du cap, hein, non plus de la moitié. Pratiquement les 2/3. Allez, au niveau des ultis, c'est les Wak qui sont mieux là avec l'ulti de Moga. Il n'y aura pas l'ulti de Moira pour contrer. Attention. Ultimate de claquer pour essayer de punir. Pour essayer de tuer le Moga. Et c'est fait. Et oui, le Moga complètement séparé de son équipe qui peut se faire soigner par l'orbe de Moira. C'est à peu près tout quoi. Derrière, Leap qui prend double kill. C'est pour ça, fallait-il claquer l'ulti Moira pour gagner le point. On ne le saura sans doute jamais. Et les joueurs des WAC qui sont maintenant à 70%.
un fight à gagner pour les joueurs des WAC et c'est finito pipo ce match. On essaye de reculer du côté des WAC, on retourne sur le point. 87%, 90% qui sont là, ça monte si vite. Il faut vite, vite, vite y aller. 96, on ira du côté de Flora avec Tracer. On a retouché, on a donc un overtime. Il faut... Oh, superbe ultimate! Superbe ultimate de Korong qui a permis à Lib de survivre et Lib de prendre un double kill. C'est gagné pour les joueurs de WAC dans ce BO3-1, les petits potes à la compote. Mais c'était quand même extrêmement serré. Ah, et en Corée, ça l'est pas toujours. Hein. Il y a vraiment des équipes incroyables. Et les WAC qui ont gagné ce match. J'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà, donc un peu de découverte de la méta de mi-saison. Comme j'ai dit, c'est un match qui a eu lieu vendredi. Là, au moment où je caste, il y a la troisième journée. Enfin, il y a le D3, donc la journée de dimanche. Puisqu'on rappelle, la Corée, c'est vendredi, samedi, dimanche, je crois. L'Europe, c'est vendredi, samedi, dimanche aussi, d'ailleurs, je crois. Et les États-Unis aussi. Mais c'est pas aux mêmes heures. En Corée, bien évidemment, c'est beaucoup plus tôt le matin. Voili, voilou, j'espère que ça vous a fait plaisir de regarder ces pros sur Overwatch 2, le retour après, on a commencé en juillet 2022 de mémoire, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup regarder les Coréens jouer, mais bien sûr on ira regarder la scène européenne s'il y a des matchs intéressants. Je vais essayer de voir ça, mais il faut que j'essaie de le faire en début de semaine pour que ça soit toujours un peu plus rentable que de regarder. Parce que là, il y a eu un patch, donc vous castez un match de la semaine dernière sur le patch précédent, c'est peut-être un peu moins intéressant. C'est pour ça que là, j'attendais d'avoir des matchs de cette semaine. Des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve, nous, demain pour une nouvelle.